La parole de Dieu nous enseigne dans Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit, « S'il s'élève au milieu de toi quelque prophète ou quelque songeur, qui fasse devant toi quelque signe ou quelque miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise, « Allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les, tu n'écouteras pas, tu n'écouteras point, tu n'écouteras pas et tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous éprouve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » La parole de Dieu te dit ce soir que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La parole de Dieu te dit ce soir que fils de l'homme, n'aimez pas les choses du monde, car celui qui aime les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La parole de Dieu te dit ce soir que l'amitié avec le monde est inimité contre Dieu. Mais un prophète va t'encourager d'aller regarder le football. Un prophète va te dire que c'est Dieu qui t'a béni d'être un bon footballeur. Un prophète va te dire que non, Dieu a dit que tu peux devenir Miss France, tu peux devenir Miss Afrique, tu peux devenir basketteur champion de n'importe quoi. Alors que ce sont les choses du monde. Et la parole de Dieu te dit que celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La parole de Dieu te dit que si le prophète, si quelqu'un vient te rendre un témoignage, « Oh, Jésus a fait ceci pour moi. » Et il a dit que je vais jouer au football. « Jésus a fait ceci pour moi. » Il a dit que je vais jouer au basketball. La parole de Dieu te dit que c'est le mensonge et que tu ne dois pas écouter cela. Ce qui est terrible et ce qui est bizarre, ce qui me choque souvent, c'est de me rendre compte à quel point les enfants de Dieu sont naïfs, n'est-ce pas? À quel point les enfants de Dieu sont naïfs. Et c'est l'une des choses qui me choque souvent, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui me choque souvent de savoir à quel point, n'est-ce pas, les chrétiens sont naïfs. Ça veut dire que le diable réussit facilement à tromper les enfants de Dieu à cause de notre naïveté. La Bible dit par exemple clairement, parce que c'est ce que l'Esprit me rappelait en journée, que celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et la Bible dit que mes fils, n'aimez pas les choses du monde. Bon, maintenant, mais les chrétiens vont regarder un témoignage. Ça veut dire que quelqu'un va venir raconter un faux témoignage comme quoi un prophète ou tel lui a dit qu'il faut jouer au football. Un prophète ou tel l'a béni, ou quelqu'un a dit que oh, va faire mis ceci, mis cela, machin, truc, les choses du monde. Et les enfants de Dieu, avec naïveté, vont commencer à partager ça comme si c'est un vrai témoignage. Ce n'est pas un témoignage. Parce que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Et c'est pour cela que je voulais changer de Deutéronome 13, 1 à 3. Depuis, vous avez constaté que depuis la semaine dernière, la plupart du temps, je prends le même verset seulement deux fois. Et je change. Mais depuis la semaine dernière, je suis toujours sur cela. Et la Bible dit que même si quelqu'un te dit qu'il est prophète et qu'il fait des trucs et des trucs, et il te dit d'aller faire quelque chose, n'est-ce pas? La Bible te dit clairement que nous ne devons pas aimer les choses du monde. Mais un prophète va te dire que oh, Dieu a dit que tu seras un grand footballeur. Quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, c'est le mensonge. Oh, Dieu a dit que va faire Miss. Oh, Dieu a dit que va jouer au basket. Dieu a dit que va jouer au volley. Que je vais commencer à utiliser les basketteurs. Je vais commencer à utiliser les footballeurs. Je vais commencer à utiliser les Miss. Qui? Quel Dieu? Ça ne peut pas être Jésus-Christ. Ça ne peut pas, parce que c'est contre sa parole. Il dit que nous ne devons pas aimer les choses du monde. Et ces choses-là sont les choses du monde. Et toi, parce que tu es naïf, parce que tu n'es pas vigilant, n'est-ce pas? Tu vois quelque chose, quelqu'un vient mentir, que oh, il était machin, truc. Il faut savoir que même le diable se manifeste en ange de lumière. Le diable lui-même se manifeste en ange de lumière. Donc si ce soir tu m'écoutes, chaque fois que tu vois, et une autre chose, et je vous ai toujours dit ça, lorsque tu vois quelqu'un qui ne mène pas une vie de sanctification et qui est en train d'enseigner la parole de Dieu, tu penses que qu'est-ce que la personne peut enseigner? Honnêtement, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que la personne peut enseigner?
Tu vois une personne qui s'habille comme dans le monde. Tu vois une personne qui fait les choses du monde. Et la personne te parle des choses de Dieu. Qu'est-ce que la personne peut t'enseigner? Tu penses que quel est l'esprit qui est dans la personne? Et toi, tout naïf, tu écoutes cette personne. Le diable est fort, hein? Tu penses que Ève était bête? Tu penses qu'Adam était bête? Attends, pour ton information. Ève avait été créée par Dieu. Dieu avait créé Ève avec ses mains. Comme il a créé Satan. Comme il a créé, n'est-ce pas, les anges déchus. Ève était un ange. Au même titre, un peu plus élevé même. Et Adam également. Mais le diable ne s'est pas trompé. Toi qui es un être humain là, un être inférieur, parce que eux ils sont là depuis des milliers d'années. Tu penses que toi on ne peut pas te tromper? Tu crois vraiment? Donc il faut te méfier. Moi, quand je vois quelque chose, je regarde d'abord la façon que tu es d'abord habillé pour commencer. Un. De deux, je commence à regarder. J'enlève cela. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne peux rien dire. Qui vient de Dieu. Tout ce que tu dis, même si ça peut avoir un sens, l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Et si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est l'esprit du malin. Parce que Ève, ce n'était pas la première fois que Ève a eu une conversation avec le diable. L'esprit me disait que ce n'est pas la première fois. Le diable est venu vers Ève plusieurs fois. Et parce que ses oreilles démangeaient, parce qu'elle voulait écouter, finalement un jour, on l'a pris dans le piège. Donc il faut faire attention, toujours te rappeler Deutéronome 13, 1 à 3. Que s'il s'élève au milieu de toi quelques prophètes ou quelques songeurs, qu'il fasse devant toi quelques signes ou quelques miracles, et que ces signes ou ces miracles dont il t'aura parlé arrivent et qu'ils te disent « Allons après d'autres dieux que tu n'as point connu et servons-les, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car c'est l'Éternel ton Dieu qui te met à l'épreuve. » C'est l'Éternel ton Dieu qui te met à l'épreuve. Oh, tel est un grand prophète, tel est un grand prophète, tel est un grand prophète. Et il te dit que Dieu t'a dit d'aller jouer au football. Il blague ou quoi? Bon, ce soir, donc, nous allons continuer.